Donc là, ouais, ça va à peu près. Et ben voilà, on va voir ce que ça donne. Donc un petit extrait des chroniques que j'ai baptisé Immonde de la fin du mage. Je ne suis pas favorable à l'action directe, a dit Pablo. Mais comment agir sinon? Il n'y a pas d'autre possibilité que la violence. Si nous ne l'utilisons pas, alors nous acceptons d'être corrompus et de devenir des contestataires officiels, comme la Russie en a produit à chaque génération. C'est eux qui nous forcent à cette extrémité, c'est leur condescendance. Et l'inertie des gens de notre âge aussi, a ajouté Marco. Ils ont besoin qu'on montre l'exemple. Les manifestations, ça ne sert à rien. Le militantisme, ça ne sert à rien. Il faut arrêter de tourner en rond comme des abrutis. Il faut rentrer dans le lard du spectacle et lui botter le cul assez fort pour qu'il ait mal pour de vrai. Il faut vraiment lui faire peur. Alors seulement, les autres se soulèveront. Pour l'instant, la trouille et le découragement les paralysent. Mais si on leur montre que c'est possible d'être plus méchant que les salopards en face, tout peut basculer. Nous nous souvenions des émeutes survenues 3 ans plus tôt, quand un ancien militaire, crapule corrompu et lié au clan des cinq, avait été élu président. Nous n'avions pas oublié les gaz de combat, les matraques en acier, les membres cassés, les balles tirées par les unités spéciales. Nous n'avions pas oublié leurs nouvelles armes, celles qui provoquent des nausées, des arrêts cardiaques, des détresses respiratoires, des crises d'angoisse. Et par-dessus tout, nous n'avions pas oublié la manière dont en moins de 6 mois, tout s'était dégonflé. Le découragement. Chacun se rendant compte qu'une ordure nationaliste au pouvoir, ça ne changeait rien. Juste un salaud de plus, ni pire, ni meilleur que le salaud précédent. Alors la contestation avait cessé, asphyxiée. On ne combat pas un ennemi trop insaisissable pour qu'on puisse le haïr. Les forces s'épuisent si aucun aiguillon ne les stimule. Les choses sont globalement revenues à la normale. Mais ici ou là, des groupes ont continué la lutte. Certains ont terminé en prison. D'autres, comme Marco et ses camarades, sont passés entre les routes. Moi, j'ai rencontré Sergueï et Pavel, qui auraient mis au point l'attente de mort. La danse de mort.
Merci à vous.